c'est le dernier produit frais qu'on a. Il nous reste un mois de mer. Donc je vais la manger tout doucement et profiter de chaque morceau pour bien m'en rappeler pour le prochain mois. Plus de frais. Il va falloir que je me rappelle de cette morse pendant longtemps. Parce qu'après ça, c'est que des lyophales. On y va? J'ai peur. Peut-être que je la garde pour tout à l'heure. On alterne les lyophilisés avec des plats à base de pâte ou de semoule. Et quand on fait ces plats-là, on met quand même un peu de lyophilisé dedans. C'est-à-dire qu'on a une viande lyophilisée qu'on rajoute au semoule ou aux pâtes. Soit du bœuf, soit du poulet. Mais c'est des plats qui sont assez appréciés par l'équipage parce que ça change du plat lyophilisé qui est plus un plat un peu pâteux, on va dire. Et surtout, ce qui a un plus, c'est les petites sauces rajoutées de Benoît Voilier. Donc ça, on n'a pas à chaque plat, mais dès qu'on a ça en plus, c'est des petites saveurs, des petits goûts en plus qui font que le repas est plus sympa. Parce que c'est vrai que manger que du lyophilisé pendant 45 jours, c'est un peu répétitif. Donc toutes les semaines, on se retrouve un petit peu sur les mêmes plats. Donc c'est bien de varier avec des petites sauces faites par un grand chef. Il y a un quart qui met à chauffer l'eau. Et l'autre quart qui fait le service. Sa préparation, ça dure 1h30, surtout dans les mers du sud où l'eau est très froide. On met déjà 50 minutes à faire chauffer les 6 litres d'eau. Donc après, il y a encore 45 minutes de réhydratation. Donc globalement, c'est 1h30 le service d'un repas. Qu'est-ce que je préfère manger à bord? Le chili con carne, j'aime bien, et le poisson cabillaud patate. Le poulet compo chinois, je sais pas quoi, enfin, le jambon. Des vraies pâtes. La paella, aux crevettes. Les graines, j'adore les graines. C'est le sneakers. J'aime bien tous les petits biscuits là. En graines de sésame, là je suis assez friand. Ah, j'aime bien le Toblerone aussi quand même. Hein.